Frères et sœurs, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le truchement de ciel et lumière. Bienvenue à ce jour de fête où nous nous unissons à toute cette Église qui fête la Vierge Marie aujourd'hui, en particulier la communauté acadienne et aussi tous les pèlerins qui se réunissent à Notre-Dame-du-Cap aujourd'hui, puisque c'est leur grande fête. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. La célébration d'aujourd'hui est offerte aux intentions de M. Joseph Dao Van Duc. Nous sommes rassemblés autour de cet endroit. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous. Arrêtons-nous au début de cette célébration. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et demandons pardon au Seigneur pour nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tout le genre humain, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait monter jusqu'à la gloire du ciel avec son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, Mère de ton Fils, fais que nous demeurions attentifs aux choses d'en haut, pour obtenir de partager sa gloire par Jésus, le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit et l'arche de l'Alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait, « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Amen.
es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton Père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors les plus riches du peuple, chargés de présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête, elles entrent au palais du roi. Heureuse es-tu, Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. S'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu, exultée dans le ciel tous les anges. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit-Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur? Que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous l'avons dit, nous célébrons une grande fête de Marie. Avec le texte d'Évangile, avec Marie, nous reconnaissons les merveilles que fait le Seigneur. Le Seigneur a fait pour moi des merveilles. Ce grand cantique, tribut à Marie, que nous venons d'entendre dans l'Évangile, nous rappelle en fait l'essentiel du projet de Dieu pour tout son peuple. Dieu se penche sur la misère de son peuple. Dieu élève les humbles. Dieu comble de bien les affamés. C'est là toute l'histoire de ce peuple choisi par Dieu, et cette réalité s'exprime en Marie maintenant. Ce qui se réalise en Marie est le couronnement de ce projet d'amour de Dieu. Celui qui élève les pauvres a choisi cette pauvre femme pour permettre maintenant la venue de son Fils en ce monde. Nous célébrons cette fête de Marie, et ici à l'oratoire, nous le faisons en plein cœur d'un mois dédié à Saint Frère André. Pour faire le lien entre les deux, je vous invite à faire un petit retour sur la place de la Vierge Marie pour Saint Frère André. Vous savez, les témoins des derniers moments de la vie de Saint Frère André rapportent que quelques instants avant de mourir, ce grand ami de Saint Joseph s'en est remis à Marie aussi. Il aurait dit, « Ô Marie, mère de mon doux Sauveur et ma tendre mère, protégez-moi et secourez-moi. » C'est la petite prière que vous retrouvez près de la statue de la Vierge, près du rocher. On devine facilement que si, au moment de sa mort, Frère André refaisait cette invocation, cette prière, c'est qu'elle faisait partie de sa vie, qu'il la faisait souvent pendant sa vie. Ces invocations était devenu comme une habitude de vie, tout comme la récitation du chapelet faisait partie de la vie du frère André, une tradition qui remontait à sa tendre enfance où il avait appris avec sa maman à réciter le chapelet. Et devenu religieux de la congrégation de Sainte-Croix, il avait appris à prier Marie, d'une manière toute spéciale, Marie, mère des douleurs, patronne principale de la congrégation. Dès le noviciat, le jeune religieux était invité à reprendre les prières à Marie, en donnant une place à Marie dans sa vie. Le chapelet, les litanies de la Vierge, qui faisaient partie des prières quotidiennes de l'époque. Frère André accueillait avec bonheur cette invitation à prier la Vierge, ce qu'il avait déjà appris sur les genoux de sa mère. Cette pratique l'a accompagné tout au long de sa vie, on le sait. Frère André ne se contentait pas de réciter le chapelet. Il faisait de cette forme de prière un moyen précieux d'intercession auprès de la Vierge, lui demandant ainsi son aide pour ces milliers de personnes qu'il rencontrait. Frère André les confiait à Joseph et à Marie, et par l'intercession de Joseph et Marie, il voulait prier Dieu d'aider ces personnes. Celui qui avait si souvent pendant sa vie parlé de Marie, les invitait, ceux qui venaient vers lui, à prier Joseph, mais aussi les invitait à se tourner vers Marie. Joseph et Marie
ont donc un rôle complémentaire dans la façon de parler de frère André. Saint Joseph, il en parle plutôt comme un compagnon, un ami fidèle, son ami Joseph. Mais Marie, c'est sa mère, c'est la mère du ciel. Elle pouvait être la mère de tous parce qu'elle était la mère de Jésus. Et frère André revenait souvent sur cette dimension. Marie était avant tout la mère de notre Seigneur. Parce qu'elle était la mère du Seigneur, elle devait être priée et honorée comme notre mère. La dévotion de frère André envers Marie, tout comme sa dévotion à Saint Joseph, se situait dans le contexte de sa dévotion à la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Marie et Joseph nous conduisant vers Jésus. Ne séparez jamais la dévotion à la Vierge de celle de Saint Joseph et de notre Seigneur, disait frère André. C'est la dévotion à la Sainte Famille. Ce qui rend cette famille unique, c'est la présence au sein de cette famille du Fils de Dieu fait homme. C'est lui qui est l'unique sauveur. Et ça, frère André le répétait souvent. C'est lui que, quand Dieu s'est manifesté parmi nous, il se manifeste toujours parmi nous par la présence de Jésus. Frères et sœurs, en cette fête de l'Assomption, nous sommes tous invités à découvrir, comme l'a fait saint frère André, la place de la Vierge Marie dans notre vie. Femme de foi et de fidélité à la parole de Dieu, Marie, tout comme Joseph, nous invite à mettre notre vie au service du Seigneur. À leur suite, nous pouvons dire à chaque jour, comme Marie l'a dit, « Je suis la servante du Seigneur, je suis serviteur du Seigneur, qu'il soit fait dans ma vie selon ta parole. » Simple phrase, et pourtant une phrase qui engage toute une vie à la suite du Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que s'élève jusqu'à toi, Seigneur, notre fervent sacrifice, et tandis qu'intercède pour nous la très sainte Vierge Marie emportée au ciel, que nos cœurs brûlants de charité aspirent toujours à monter vers toi par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Ça, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Le célébrant ta résurrection, nous attendons ta venue dans la faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple.
souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux qui se confient à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Frère André, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, n'ayons pas la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit et rassemblés autour de la table du Seigneur, prions Dieu notre Père avec les paroles que Jésus nous a données. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, en ce jour de fête, partageons avec ceux qui nous entourent un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Pour souligner encore une fois le mois de Saint-Frère-André, je vous invite à prendre dans vos bancs le feuillet du mois du Frère-André au numéro 13 pour dire ensemble la prière « Une foi qui transforme la montagne ». Seigneur, tu nous appelles à poser chaque jour des gestes qui transforment peu à peu notre monde, afin que ton amour, ta justice et ta paix y rayonnent. Nous savons que ces gestes posés dans la foi contribuent à faire naître et grandir ton royaume. Donne-nous une foi profonde et agissante pour que nous puissions, à la manière de Saint Frère André, répandre ta lumière autour de nous. Saint Frère André, prie pour nous. Prions le Seigneur. Après avoir donné, Seigneur, le sacrement qui nous sauve, accorde-nous par l'intercession de Marie, la Vierge bienheureuse élevée au ciel, de parvenir à la gloire de la résurrection par Jésus-Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Chers amis, que la Vierge Marie, Saint-Joseph, Saint-Frère-André soient vos compagnons de route au long de ce jour. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous vous rendons grâce.